Départ du prix Red Mills Steeple Chase réservé aux chevaux de 4 et 5 ans sous la distance de 1200 mètres. Et c'est tout de suite encore là qui s'est emparé du commandement pour aller sauter la première et du parcours avec en seconde position. On retrouve Derby Mag. Les chevaux vont maintenant aborder le premier tournant. On est parti à petite allure avec... Encore là aux avant-postes, Derby Mag en seconde position. On retrouve une cassure avec Aerobia de Pévenant ensuite devant Jingri des Lunes. Et c'est Échappement Libre qui ferme la marche. Les chevaux vont passer le trou à bord franc avec toujours les mêmes aux avant-postes. On retrouve encore là qui emmène le petit peloton en seconde position. On retrouve Derby Mag. Les chevaux ont sauté le vert. Grosse faute et chute de encore là. Et c'est Derby Mag maintenant qui se retrouve aux avant-postes pour aller aborder le petit bois de changement avec en seconde position retrouver Échappement Libre qui s'était un petit peu rapproché devant Aerobia de P et Jingri des Dunes qui ferme la marche. On vire à main gauche maintenant pour aller dans le bois. Et on ressort du bois maintenant avec Échappement Libre qui a pris les choses en main pour aborder la diagonale devant Derby Mag en seconde position à 4-5 longueurs. Derrière, on retrouve encore une cassure avec Aerobia de P. Et c'est Jingri des Lunes qui perd la marche. Les chevaux vont passer maintenant le talus d'exercice. Pas de changement en tête avec Échappement Libre maintenant qui va bon train, qui a un peu décanté la course en seconde position. Derby Mag à une dizaine de longueurs. Derrière, on retrouve une cassure avec Aerobia de P. Et c'est Jingri des Dunes qui perd la marche. Les chevaux maintenant, on va passer devant les tribunes. On est dans le tournant pour aller chercher maintenant le Brook avec le représentant de Philippe Pelletier. Échappement Libre maintenant qui va toujours à bonne allure, qui emmène ce petit peloton. Le Brook maintenant sans difficulté pour lui en seconde position. Derby Mag avec derrière Aerobia de P et Jingri des Dunes qui perd la marche. La rivière des tribunes. La rivière maintenant franchie tout en tête par Échappement Libre qui va librement à cet instant. On va sauter maintenant le vert du bout de la ligne droite. Le vert avec toujours Échappement Libre aux avant-postes. Derby Mag qui s'est un petit peu rapproché. Au derrière, on retrouve ensuite Aerobia de P. Et Jingri des Dunes ferme toujours la marche. Le tournant maintenant du fond de l'hippodrome. Avec Échappement Libre, toujours 2, 3, 4 petites longueurs d'avance maintenant sur Derby Mag. En troisième position, on retrouve Aerobia de P alors que c'est Jingri des Lunes qui perd la marche. Le trou à bord franc maintenant, franchi par les deux premiers sans difficulté. Aerobia de P venant ensuite devant Jingri des Lunes, le gros vert. Le gros vert franchit sans difficulté maintenant, va sauter la banquette avec Échappement Libre aux avant-postes. Maintenant qui reprend un net avantage. Alors derrière, on a une petite hésitation de Derby Mag qui concède quelques longueurs derrière. Alors que Aerobia de P venant ensuite devant Jingri des Lunes. Oula, problème. Les chevaux ont maintenant abordé la diagonale de l'hippodrome avec le talus d'exercice. C'est Derby Mag maintenant qui s'est retrouvé aux avant-postes avec Aerobia de P en seconde position. Jingri des Lunes qui se rapproche maintenant à cet instant pour se diriger vers le gros fence, le fence Red Mills avec Derby Mag aux avant-postes. Oh Bob. Grosse faute et chute d'Échappement Libre. Alors qu'ils sont... Jingri des Dunes maintenant qui s'est retrouvé aux avant-postes et qui, sans aucune difficulté, devrait l'emporter alors que derrière Derby Mag et Aerobia de P ont réussi à franchir le fence Red Mills. Jingri des Dunes maintenant qui aborde la ligne opposée, très nettement détaché. Avec en seconde position Derby Mag et Aerobia de P.
Le trou à bord franc pour Jingrid Lune maintenant qui va librement aller sur le gros vert avec Derby Mag venant ensuite et Robia de Paix fermant la marche. Le gros vert franchi par Jingrid Lune aux avant-postes qui a une quarantaine de longueurs d'avance maintenant pour aller dans une seconde fois dans le petit bois. On sort du bois avec, sans surprise, Jingrid Lune, toujours aux avant-postes, avec Romain Boinard, qui va librement, s'est un petit peu rapproché avec Derby Mag en seconde position et Guillaume Vielle, alors que venant ensuite, Erobia de Paix. Les chevaux sont dans le bout de la ligne opposée maintenant, et toujours Jingrid Lune qui a toujours un net avantage maintenant avec Romain Boinard en seconde position. On retrouve Derby Mag venant à 4-5 longueurs à l'arrière. Et Robia de Paix. On est dans le dernier tournant maintenant et pas de changement notable en tête avec toujours Jingrid Lune qui rentre dans le petit bois maintenant pour aller sauter le talus. Bien franchi maintenant sans souci avec Derby Mac qui tente de se rapprocher un petit peu maintenant. On est à la sortie du tournant pour aborder la ligne d'arrivée maintenant et c'est Jingrid Lune qui file au poteau avec Derby Mac qui tente de revenir. Alors que Erobia de Paix venant ensuite, on est à moins de 150 mètres du disque final maintenant. Et c'est Jingrid Lune qui va l'emporter facilement. Jingrid Lune qui emporte Patrice Quinton, Romain Boinard en seconde position. On retrouve Derby Mag et Erobia de Paix venant troisième.